Les actes.
jusqu'à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Oh, le truc de ouf! Le truc de ouf! Le Just, il m'a parlé! Le Just, il m'a parlé! Léa! 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 Le Just! Il m'a parlé! Oh, il m'a dit: si tu veux prendre 3, c'est là! Moi j'ai pas peur, alors je joue avec toi, moi.
était venu de se venger de l'homme qui lui a pris sa femme. Il descendit de son char, empoignant ses armes. César !
souviens-tu de la première fois que nous l'avons fait? Le jour même où je t'ai enlevé à Saint-Trope. Même ce jour-là, Marie-Hélène, je ne t'ai pas désiré autant que je te désire maintenant. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, je le suis. Il était l'homme que tous étaient en train de chercher là-bas dans la plaine. Il était l'homme que personne n'aurait aidé ou caché ce jour-là. Il était l'homme que tous détestaient, comme l'on déteste la déesse noire de la mort. Et c'est pour ça que je le suis dit. C'est pas là-dessus.
prie sur les genoux d'Athéna, la déesse prédatrice. Supplie-la d'éloigner de nous ces Grecs. Parce que vraiment, l'odeur de leur barbecue me cœur. Tu es pour moi un père et une mère et un frère et tu es mon époux et
témoins de la bataille seraient trop grandes. J'ai grandi en apprenant à être fort, toujours, et à combattre au premier rang, dans toutes les batailles. Comment mon cœur pourrait-il aujourd'hui me permettre de fuir? Je le sais bien que le jour viendra où périra la cité sacrée de Troie. Et toi avec elle, Jean-Papa, et ton peuple. Mais si j'imagine ce jour-là, ce n'est pas ta douleur que j'imagine, ni celle de Marie-Maman ou de Jean mes frères tombés dans la poussière sous les coups des ennemis. Moi, si j'imagine ce jour-là, c'est Marie ma femme que je vois. Je vois un guerrier qui la prend et l'entraîne avec lui en Argos. Je la vois esclave d'une autre femme. Et pour elle, chaque jour elle va chercher de l'eau à la fontaine. Je la vois pleurer. J'entends la voix de ceux qui la regardent et disent « La voilà l'épouse de Jean Hector, le plus fort de tous les guerriers troyens. Que je meure avant de la savoir esclave. Que je sois sous terre avant de devoir entendre ses cris. » Mais ne t'afflige pas trop dans ton cœur. Dis-toi que si le destin ne le veut pas, aucun homme ne pourra me tuer. Et si le destin le veut, alors dis-toi que le destin, aucun arme, une fois qu'il est né, le destin ne peut lui échapper. C'est ton destin. Quel magnifique hiver arrive. Aux hommes à y penser. Tous les hommes. Et moi, plus que tous les autres hommes. Écoutez-moi. La guerre. Nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. S'il y a parmi vous un prince aquien qui a le courage de se battre contre moi, je le défie. Venez aujourd'hui à la rencontre de votre destin. Ok, je me le fais, les gars, je me le fais.
casser la gueule. Oh, oh. Et toi, tu vas combattre avec tes crocs. Tu vas pas avoir le roi de la forêt dans ton caisse de graines. Hein? Moi, je suis pas là pour être ici. Je vais te défoncer ta gueule. Mauvaise hygiène. Bugale. Construire un mur! Oh, un mur! Vous êtes sérieux là? Moi, le mur, je le défonce! Je construis pas!
Mais moi, je suis trop vieille pour croire encore en ces choses-là. Cette guerre que nous jouons, ils la gagneront avec un cheval gigantesque rempli de soldats. Cette guerre que nous vivons, ils la gagneront par la ruse et non la lutte à visage découvert, loyal, chevaleresque. Et ça, les jeunes, ça ne leur plaît jamais. J'étais déjà vieille, et je savais qu'elle était vieille, cette longue guerre qui était en train d'être menée, et qu'elle serait gagnée un jour par celui qui serait capable de la faire d'une manière nouvelle. Là, là, c'est un mur bien chiadé, là. C'est imprenable. Là, on va être en sécurité. Ouais. Allez, on fait comme ça.
intimidée devant ces amours qui font une ombre sur mon destin. Yeah!
qu'un jour j'ai dépouillé Achille de ce pardonneur. Aujourd'hui, je sais que je me suis trompé. La bêtise, elle est piégée. Elle ne touche pas terre. Elle vole dans la tête des hommes pour leur ruine. Quand elle le veut. Ce jour-là, c'est moi qui l'a choisi. Et elle m'a ôté la raison. Bon, écoute, la gueule, non! C'est fini, c'est l'histoire de plus maintenant, ok? Maintenant, on y va! Et on leur fait la gueule, le croyant! Le film. Tu ne peux pas envoyer les gars à la castagne si tu ne fais pas la date.
Les hommes sont condamnés à vivre dans le chagrin. Tu ne me crois pas?